Depuis au moins 6 mois, Edern travaille sur cette réforme. La municipalité en a déjà estimé le coût, 50 000 euros pour les 2 écoles de la commune. Et selon ses calculs, il va également falloir engager 14 animateurs, seulement pour les 220 enfants de l'école publique. Pour les 61 élèves de l'école privée, rien n'est décidé. La mise en place des 4 jours et demi sur l'école publique entraînera un reversement financier équivalent à l'école Saint-Joseph. Et donc à partir de là, soit on décide d'organiser en commun, soit l'école organise elle-même avec cet argent. Dans le Finistère, 40% des élèves apprennent dans une école privée. À Saint-Joseph, on souhaite avant tout s'harmoniser avec le reste de la commune. Nous préférions 2014 pour des raisons d'organisation, parce qu'en fait on pensait que 2013 c'était un petit peu court. Il faudra évidemment qu'on travaille, mais on sera prêt pour suivre la mairie si elle décide de commencer la réforme dès 2013. À l'école publique, ce qui inquiète, c'est le manque de moyens, mais hors de question de travailler chacun dans son coin. Ce qui sera vrai dans notre école pourra très bien être mis en place à Saint-Joseph et vice-versa. Enfin, voilà. Les ressources, oui, seront certainement mutualisées. On peut aussi trouver justement les ressources locales et s'y attacher. Enfin, mais il faudra vraiment fouiller, mais il faudra du temps. Ça nous inquiète un petit peu, il peut y avoir des différences entre Edern, Quimper, Rennes. On n'est pas du tout dans la même cour. Si les 2 écoles préféreraient mettre en place la réforme en 2014, pour la mairie, le plus tôt serait le mieux. Encore un autre point à harmoniser pour la commune.